Bonjour tout le monde, je suis le docteur Josh Rummer, responsable clinique du groupe de travail sur la mise en œuvre du programme d'immunisation contre la COVID-19 au Manitoba. Vendredi, Santé Canada a autorisé l'utilisation du vaccin Pfizer contre la COVID-19 chez les enfants de 5 à 11 ans. C'est le premier vaccin contre la COVID-19 de ce genre approuvé au Canada pour ce groupe d'âge et c'est vraiment un jalon important dans notre lutte collective contre ce virus. Le vaccin a d'abord été autorisé pour l'utilisation chez les gens de 16 ans et plus en décembre 2020 et en mai 2021, il a été autorisé pour les enfants de 12 à 15 ans. Et maintenant, Santé Canada a terminé un examen scientifique rigoureux des données et a déterminé que les avantages du vaccin dépassent les risques de l'utilisation du vaccin pour ce groupe d'âge. Donc, si vous êtes un parent ou un fournisseur de soins des jeunes enfants, des enfants de groupe de 5 à 11 ans, eh bien, ce sera vraiment un très grand soulagement pour la majorité d'entre vous parce que les parents et en fait tous les gens qui se préoccupent des enfants ne veulent qu'une seule chose pour leurs enfants, c'est qu'ils soient en sécurité et protégés contre tout danger. On s'attend, d'après les résultats de notre recherche ici au Manitoba, que la grande majorité des parents vont faire vacciner leurs enfants. Je vais vous assurer que nous allons avoir suffisamment d'approvisionnement du vaccin pour répondre à toute cette demande. Et en fait, on nous a dit que les cargaisons du vaccin vont arriver à Winnipeg dès demain. Et il y a encore plus de bonnes nouvelles. Les essais cliniques montrent que même avec la dose la plus faible, la réponse immunitaire chez les jeunes enfants était tout aussi bonne que celle des gens de 16 ans à 26 ans. Et donc, il y avait une bonne réponse immunitaire. Il n'y a également aucun danger qui a été identifié pendant les essais cliniques de ce vaccin. Et pour ce groupe d'âge, il n'y a pas eu de cas de myocardite ou de péricardite qui ont été identifiés dans aucun des essais. Alors, à 6 heures ce matin, on a ouvert les rendez-vous par l'intermédiaire de nos centres d'appel et des sites web. Il y a à peu près une heure, il y avait déjà plus de 15 000 rendez-vous qui avaient été pris pour des enfants dans ce groupe d'âge. Le vaccin sera offert par l'intermédiaire de nos cliniques régionales de vaccination, les cabinets de médecins, les pharmacies, les cliniques autochtones urbaines et les cliniques éphémères communautaires. Nous avons une carte de recherche de site de vaccination sur notre site web, donc vous pouvez trouver une place qui va se trouver près de chez vous, qui va être pratique. Il y a littéralement des centaines d'options. Les vaccins vont arriver dans les cliniques médicales et les pharmacies entre le 25 et le 29 novembre. Je veux que vous soyez clair ici, il n'y a aucune pharmacie et aucune clinique qui a à l'heure actuelle le vaccin pédiatrique, mais ils vont l'avoir très bientôt. Dès que les derniers détails seront finalisés, on mettra la carte de recherche de site de vaccination à jour, dont vous pourrez voir sur la carte où sont toutes les options qui sont à votre disponible. Alors, à l'heure actuelle, vous pouvez prendre des rendez-vous dans les cliniques provinciales de vaccination et les premiers rendez-vous sont disponibles dès ce jeudi. Je voudrais partager avec vous maintenant quelques-uns des résultats cliniques avant de répondre à vos questions. Alors, Santé Canada a indiqué que le vaccin était efficace à 90,7% pour empêcher l'infection à la COVID-19 chez les enfants de 5 à 11 ans. Il n'y a aucun effet secondaire grave qui a été identifié, y compris myocardite ou péricardite. Le vaccin sera donné sous forme d'un régime de 2 doses de 10 microgrammes chacune. Ça représente 1/3 de la dose pour les adolescents et adultes qui est de 30 microgrammes. Alors, la collecte des données scientifiques se poursuit. Santé Canada a nécessité ou a exigé que Pfizer continue à fournir des renseignements à Santé Canada sur la sécurité et l'efficacité du vaccin pour les enfants dans ce groupe d'âge. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des données qui vont être recueillies de la part d'études qui sont en cours et aussi de l'utilisation dans le monde réel afin de continuer à s'assurer que les avantages du vaccin sont plus importants que tous les risques. Cela veut aussi dire qu'il y a une exigence continue de détecter et de divulguer tout danger qui pourrait être découvert dans n'importe quel groupe d'âge. Alors, Santé Canada ainsi que l'Agence de santé publique du Canada vont continuer à surveiller très étroitement la sécurité de ce vaccin et à prendre toute action nécessaire si on identifie un danger. Donc, puisqu'on parle du Comité consultatif national sur la vaccination, eh bien, vendredi, le comité a également présenté ses recommandations sur l'utilisation du vaccin Pfizer chez les jeunes enfants. Donc, le comité est un comité consultatif indépendant qui fournit des conseils à l'Agence de santé publique du Canada sur la vaccination en général, y compris la vaccination pour la COVID-19. Donc, le comité recommande que l'on donne aux enfants de 5 à 11 ans
une série complète de vaccins Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 sous une dose de 10 microgrammes pour tous les enfants de 5 à 11 ans, tant qu'il n'y a pas de contre-indication pour les vaccins. Il recommande également qu'il y ait un intervalle de 8 semaines entre la première et la deuxième dose. De même, pour la majorité des enfants manitobéens, nous allons utiliser donc un délai de 8 semaines entre la première et deuxième dose. Alors, ce délai de 8 semaines permet de donner une protection qui est à plus longue durée et qui est plus efficace. Mais dans certaines situations, on pourrait donner les doses de manière plus rapprochée une fois qu'on aura discuté les risques et les avantages avec le fournisseur de soins de l'enfant ou alors avec les autorités de santé publique. Alors, par exemple, l'équipe de coordination de lutte contre la pandémie pour les autochtones a indiqué que pour les enfants autochtones, il faut qu'il y ait un intervalle plus court. Et ça, c'est parce qu'ils ont un risque accru d'exposition à la COVID-19, risque accru d'interruption des études scolaires et aussi un risque accru d'infection parmi ces enfants. Alors, ça veut dire qu'avoir une réponse immunitaire plus rapide, c'est plus important que d'avoir une réaction immunitaire qui va durer à long terme. Pour d'autres communautés, ce sont les autorités locales qui vont travailler avec les équipes cliniques locales pour déterminer s'il y a des communautés ou des groupes particuliers qui devraient avoir un intervalle plus réduit. On a aussi l'avantage de voir ce qui se passe aux États-Unis parce que là-bas, ils ont commencé l'immunisation avant nous et on va certainement tenir compte des résultats que l'on observera là pour voir si, par exemple, il faut changer l'intervalle de 8 semaines ou non. Je voudrais signaler certains des risques très réels auxquels vos enfants vont être exposés s'ils ne sont pas vaccinés. Alors, pendant toute la pandémie, il y a plus de 6000 enfants manitobains qui ont contracté le virus. Et jusqu'à présent, les données ont montré que la majorité des enfants vont avoir une maladie qui est assez bénigne. Mais malheureusement, ils peuvent quand même transmettre le virus à d'autres qui sont peut-être plus vulnérables. Et ceux qui l'attrapent d'un enfant vont ensuite le partager avec d'autres personnes. Dans certains cas, même des enfants qui étaient en très bonne santé sont devenus très malades à cause de la COVID et ont dû être hospitalisés. En fait, au Manitoba, nous avons 27 enfants de 5 à 11 ans qui ont dû être hospitalisés à cause de la COVID-19. Et 7 ont dû aller aux soins intensifs. Je peux vous dire qu'une visite aux soins intensifs, c'est une expérience extrêmement traumatisante pour un enfant et pour sa famille. Il y a aussi le potentiel d'effets négatifs sur la santé à très long terme à cause de ce virus. Les enfants ont également le risque de développer le syndrome inflammatoire multisystémique chez les enfants à la suite d'une infection contre la COVID-19. Alors, c'est un syndrome qui est très grave, qui se produit des semaines après l'infection et qui affecte toutes les régions du corps et tous les systèmes. Souvent, l'enfant se retrouve à l'hôpital et bien souvent aussi aux soins intensifs. Alors, les données sont assez limitées dans la population des enfants, mais les enfants peuvent également se retrouver à risque d'avoir ce qu'on appelle le syndrome de la COVID-19 ou le COVID de longue durée. Alors oui, bien entendu, c'est une fréquence qui est moins élevée, mais les conséquences sont très graves parce que ça va avoir des répercussions sur la vie de l'enfant, sa vie familiale, sa vie à l'école, sur le sport. Donc c'est quelque chose qu'il nous faut vraiment garder en tête lorsqu'on considère ce vaccin ou non. Et bien entendu, tous les enfants continuent d'être affectés par les interruptions à leur vie scolaire, à leurs activités. Et on pourra finalement arrêter ça si tous les enfants sont vaccinés. Donc, lorsque l'on pense au fait que l'action d'une personne peut avoir des répercussions sur les autres, eh bien, imaginez la situation d'un enfant unique. Un enfant qui est peut-être fort, en bonne santé, mais qui n'est pas vacciné et il attrape la COVID-19. Même si l'enfant ne devient pas gravement malade, cet enfant va probablement transmettre le virus à plein de personnes. Donc, tout ça ensemble, ça va avoir des répercussions sur notre système de santé qui va être dépassé, que ce soit à l'école, au travail, dans la communauté, dans les familles. Et bien entendu, dans ce scénario, ça peut également causer le décès de personnes que l'on aime ou bien de personnes que l'on ne connaît pas, mais qui sont tout aussi importantes. Les enfants ont aussi fait face à de grands défis pendant cette pandémie. Les interruptions à l'école, l'isolation sociale, accès réduit aux activités qu'ils adorent. Tout ça, ça a vraiment été difficile pour leur santé mentale et leur santé physique.
Nous savons que ces effets négatifs sont plus graves chez certaines personnes que d'autres. Et une très grande partie de cette campagne d'immunisation, c'est de s'assurer que les communautés racialisées et autochtones, les réfugiés, les nouveaux arrivants dans notre province, les personnes qui ont un faible revenu et les enfants qui ont des handicaps, tout le monde soit protégé. Alors, peut-être que ça n'est pas urgent pour vous de faire vacciner votre enfant parce qu'il est en bonne santé. Nous voulons vous demander de vous rappeler de deux choses. Tout d'abord, tous les enfants au Manitoba subissent des conséquences négatives de ce virus. Et aussi, tous les enfants sont entourés d'un village de gens. Et chaque village a besoin d'être protégé. Donc, on est vraiment tous dans le même bateau ici. Sur ce, je suis maintenant ravie de prendre vos questions. Merci. Merci, docteur. Un rappel à nos journalistes qui sont en ligne. Vous avez droit à une question préliminaire et une question de suivi. Alors, tout d'abord, cet après-midi de Global, Abigail. Bonjour, Dr. Rimer. Je me demande simplement, est-ce qu'il est trop tôt pour penser à faire vacciner les enfants qui ont moins de 5 ans? Est-ce qu'on a déjà des données là-dessus? À ce point-ci, nous n'avons vu aucune donnée sur le vaccin chez les enfants de moins de 5 ans, mais nous savons que Pfizer est en train de faire une étude sur les enfants jusqu'à 6 mois d'âge. Alors, on ne sait pas exactement quand ça va être terminé, quand ça va être soumis pour approbation à Santé Canada, mais nous anticipons effectivement qu'à un certain point dans les mois qui vont venir, cette étude sera terminée et les données seront soumises afin d'être approuvées. Je voudrais également parler ici de l'intimidation et du harcèlement. Alors, pour les enfants d'âge scolaire, est-ce que vous avez des conseils pour les enseignants qui voient ça dans leur classe et aussi pour les parents qui voient ça chez leurs enfants? Alors, je crois que ce que vous venez de décrire, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Beaucoup de ces enfants n'ont en fait pas le choix de savoir s'ils vont se faire vacciner ou pas parce que c'est une décision qui est prise par leurs parents. Et ce que l'on veut, c'est que tous les enfants profitent de l'école, des activités de récréation, de ces conditions qui sont sociales finalement. Donc, on veut que toutes les familles, tous les enfants soient respectés, quels que soient les choix qui sont faits, afin que l'on puisse avoir ces environnements qui sont heureux et en bonne santé, pour que nos enfants s'épanouissent. Quelle que soit la COVID, c'est toujours très important. Il faut respecter et appuyer tous les enfants que nous avons dans nos communautés. Du Brandon Sun, Karen. Alors, bonjour, docteur. Est-ce que ça doit être un vaccin d'ARNm? Est-ce qu'on peut aller plutôt à un vaccin à vecteur de virus ou pour le deuxième vaccin? Donc, le seul vaccin qui est actuellement approuvé pour ce groupe d'âge, en fait, le seul vaccin, c'est le vaccin Pfizer Comirnaty, la dose pédiatrique, c'est-à-dire la dose qui est un tiers. Il n'y a aucun autre vaccin qui a été approuvé par Santé Canada pour les personnes âgées de moins de 12 ans. Et sur ce, est-ce que vous avez entendu quoi que ce soit de Moderna? J'ai entendu dire qu'ils travaillaient sur un vaccin pédiatrique. Oui, effectivement, ils travaillent là-dessus. Je ne crois pas qu'ils ont terminé ou soumis les données d'essai. Donc, on n'a pas eu l'occasion d'évaluer ce qu'ils ont trouvé. Mais effectivement, ils travaillent sur des essais avec des enfants de moins de 12 ans. D'accord, merci. De CJOB, Skyler. Bonjour, Dr. Rimer. Je sais que je vous ai demandé ça la semaine dernière. Le taux d'hospitalisation chez les personnes qui sont vaccinées. Vous avez expliqué la semaine dernière que, bien entendu, il y a beaucoup plus de gens qui sont vaccinés, donc c'est normal que le taux augmente. Mais il semble que ce taux continue d'augmenter. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez nous expliquer? Alors, il y a deux facteurs importants qui contribuent à cette situation. Où on voit, qui permet cette situation dans laquelle on voit plus de gens entièrement vaccinés qui se retrouvent aux soins intensifs. Alors, d'abord, la grande majorité des Manitobains sont entièrement immunisés. Donc, ça veut dire que la majorité des personnes qui sont exposées au virus sont en fait des personnes vaccinées. Donc, ça, c'est une question statistique qui va certainement jouer un rôle dans le nombre de personnes vaccinées qui sont infectées parce que le nombre des personnes non vaccinées, c'est un nombre qui est bien plus petit.
Mais en plus de ça, nous avons vu des données qui viennent d'autres pays et on commence à en avoir au Manitoba que pour les personnes plus âgées ou les personnes qui ont déjà d'autres maladies sous-jacentes. Lorsque vous passez la marque des 5 ou 6 mois, on commence à voir une diminution de la protection contre les maladies graves. Donc, c'est pour ça que l'on recommande le troisième vaccin, en particulier pour les personnes de plus de 70 ans ou alors les personnes qui ont une des maladies qui sont sur la liste que vous trouverez sur notre site web. On sait que ces gens-là sont encore assez protégés, mais on sait qu'ils sont moins protégés que dès qu'ils avaient reçu leur deuxième dose. Il est important donc d'améliorer, d'optimiser cette protection avec une troisième dose. Et en fait, avec ce vaccin, ce qu'on a observé, c'est qu'en fait, la troisième dose amène la protection à un niveau qui est encore bien plus élevé qu'originellement. Ce sont des données que l'on a vues, c'est ce qu'on a vu dans les données d'ici et des autres pays. Merci pour cette réponse. Question de suivi, et je sais que vous en avez déjà parlé la semaine dernière. La dose de 10 microgrammes va être donnée à un enfant de 11 ans cette semaine, par exemple. Si l'enfant a 12 ans entre sa première et deuxième dose, il va alors recevoir la dose adulte de 30 microgrammes en deuxième dose. Il y a eu beaucoup de questions là-dessus de la part de parents. Il y a beaucoup de parents qui ne comprennent pas la différence. J'ai essayé d'expliquer que l'âge de 12 ans, c'est pas un chiffre magique, c'est en fait un chiffre peut-être aléatoire, mais est-ce que vous avez une explication qui est plus importante? Alors, l'âge de 12 ans, c'est l'âge qui sépare la dose adulte de la dose pédiatrique. Alors, c'est pas que l'âge de 12 ans est un âge spécial ou quoi que ce soit change dans la croissance ou le développement d'un enfant. Mais c'est simplement qu'il faut établir des âges limites pour les essais cliniques. Donc, les preuves montrent que les enfants qui ont entre 5 et 11 ans ont tous eu une réponse immunitaire qui est très bonne à la dose plus faible du vaccin. Nous avons également vu que les enfants qui ont 12 ans ou plus ont une excellente réponse immunitaire à la dose de 30 microgrammes, qui est donc la dose adulte. Donc, ce que l'on veut faire, c'est utiliser les meilleures données scientifiques que l'on a à notre disposition. Et donc, pour les enfants de 5 à 11 ans, eh bien, les données cliniques sortent des essais qui ont été faits avec la dose de 10 microgrammes. Ça donne une très bonne réaction immunitaire avec très peu d'effets secondaires. Pour les enfants de 12 ans et plus, eh bien, on a la même confiance, et en fait une confiance bien plus élevée, qui montre que c'est la dose de 30 microgrammes qui a un effet sur la réponse immunitaire qui est très efficace. Donc, si l'enfant a 11 ans lorsqu'il vient pour sa première dose, il recevra la dose pédiatrique parce que ça correspond aux meilleures données scientifiques qu'on a pour cet âge-là. Quand il aura 12 ans, on utilisera la dose adulte parce que là, encore une fois, les meilleures données scientifiques que l'on a pour cet âge-là, c'est les données sur la dose adulte. Du Winnipeg Sun, Glenn. Bonjour, docteur Roussin, docteur Reimer. Ici Glenn du Winnipeg Sun. Je sais que vous en avez parlé dans votre commentaire préliminaire, mais je vais y revenir. Les parents qui sont inquiets que leur vaccin reçoive la dose, qu'est-ce que vous direz à ces parents qui sont préoccupés par l'idée de faire vacciner leur enfant parce que l'enfant a moins de 12 ans? Alors, la première chose que je vous dirais, c'est que je suis vraiment contente qu'ils prennent ça au sérieux et qu'ils essaient de comprendre tous les risques et tous les avantages pour leur enfant. C'est une décision importante et on veut fournir les meilleurs renseignements possibles pour aider ces personnes à prendre ces décisions. Ce que l'on a vu dans les essais, c'est que ce vaccin donne une excellente réponse immunitaire. Une réponse immunitaire qui est tout aussi bonne que les enfants plus âgés et les adultes. Et on veut protéger les enfants du Manitoba. On veut donner aux parents cet outil qui va permettre de protéger les enfants contre la maladie grave, l'infection en général, les effets à long terme de la COVID que malheureusement qui se présentent chez certains enfants, les effets à long terme comme par exemple le syndrome inflammatoire multisystémique. Et on veut aussi protéger les enfants contre les interruptions scolaires, l'interruption des activités, parce que tout ça, c'est tellement important pour les enfants, pour leur santé mentale, leur développement physique, etc. Donc, on examine tous ces facteurs, on examine les risques du vaccin lui-même,
Et je peux vous dire que franchement, les bénéfices du vaccin, les avantages du vaccin sont bien plus importants. Alors, donc, si vous décidez de vacciner votre enfant, il y aura plus de protection et moins de risques que si vous décidez de ne pas le faire vacciner. Et c'est vraiment ça qu'on va examiner avec les parents. Alors, on veut certainement que les parents prennent ça au sérieux, qu'ils posent des questions à leur pédiatre, à leur fournisseur de soins de santé, à leur pharmacien. Qu'ils vérifient sur l'Internet parce que nous allons continuer à mettre à jour nos ressources afin de répondre à toutes les questions que les parents devraient avoir quand ils doivent faire face à cette décision. Merci. Question de suivi. Alors, le dernier bulletin sur la COVID, sur la vaccination parle d'un intervalle de 14 jours. Entre l'infection et la vaccination. Bon, alors ça, c'était une recommandation du Comité consultatif national sur l'immunisation. Donc, à l'heure actuelle, le comité recommande qu'il n'y ait aucun autre vaccin pendant 14 jours avant ou après les vaccins contre la COVID chez les enfants de 5 à 11 ans. Alors, la raison pour ça, c'est que si l'enfant va avoir des effets négatifs, on veut essayer de comprendre qu'est-ce qui aurait pu contribuer à ces symptômes? Si l'enfant vient de recevoir plusieurs vaccins en même temps, eh bien, ça peut être très difficile de voir quelle est la raison et quels sont les effets sur l'enfant. Ceci étant dit, il n'y a pas de préoccupation particulière. Si un enfant a reçu une autre vaccination, ça ne va pas rendre le vaccin contre la COVID-19 moins efficace. Ça le met pas, ça donne pas un risque plus élevé d'avoir des effets secondaires. C'est simplement que ça nous permet de mieux comprendre la situation et d'avoir de meilleures données au cas où il y aurait une réaction adverse. Donc, oui, effectivement, on recommande que vous n'ayez aucune autre vaccination 14 jours avant ou après celui contre la COVID-19 pour les enfants de 5 à 11 ans. On ne va certainement pas empêcher les enfants de se faire vacciner s'ils se présentent à une clinique de vaccination pour recevoir leur vaccin contre la COVID-19 alors qu'ils viennent de recevoir un autre vaccin dans les 2 semaines avant. Oui, bien sûr, on va certainement leur donner des renseignements, mais on ne va pas empêcher ces enfants de se faire vacciner s'ils arrivent à la clinique de vaccination. De CBC Manitoba, Bart. Bonjour, Dr. Rummer. Alors, on a entendu dire qu'il n'y avait pas assez de vaccins à la superclinique de Steinbach et que les gens ne vont pas pouvoir obtenir de rendez-vous jusqu'au 19 décembre. Je veux dire, c'est bien après les dates qui sont disponibles pour les gens à Winnipeg. Alors, pourquoi est-ce que vous n'avez pas plus de doses qui vont être disponibles plus tôt là? Pourquoi est-ce que vous n'envoyez pas plus de vaccins dans la région Santé Sud, étant donné le taux d'infection très élevé et le taux de vaccination très bas en général dans cette région? Merci pour la question. J'ai entendu dire effectivement qu'il y a eu beaucoup plus de rendez-vous qui ont été pris à Steinbach que ce à quoi on s'attendait. Et c'est vraiment merveilleux d'entendre ça. Donc, l'équipe qui travaille avec Santé Sud spécifiquement est en train d'ouvrir justement beaucoup plus de dates de rendez-vous avec plus de dates afin de permettre à plus d'enfants d'obtenir leur vaccin encore plus tôt pour ne pas attendre plus tard au mois de décembre. Donc, j'encourage les enfants de cette région à revenir sur le site web ou à rappeler parce que nous allons certainement ajuster le nombre de rendez-vous qui sont disponibles à cause de la demande. Alors, c'est toujours un petit peu difficile pour nous d'essayer de prévoir combien de rendez-vous vont être pris, parce qu'en fait, il y a tellement plus d'options de vaccination qui sont à la disposition des gens maintenant dans les autres groupes d'âge. Il y avait certaines cliniques, certaines pharmacies, mais la grande majorité des gens venaient dans les sites, dans les super cliniques. Mais en fait, ça n'est plus le cas maintenant parce qu'il y a tellement plus d'options pour tout le monde. Donc, en temps réel, on essaie de s'adapter à cette nouvelle demande et de s'assurer que les gens ont toutes sortes d'options pratiques et qui vont être dans un délai raisonnable. Mais c'est quelque chose qu'on ajuste vraiment au jour le jour et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Merci pour cette réponse. Alors, j'ai entendu des histoires anecdotiques au sujet des programmes de vaccination dans les écoles. Il y avait des programmes de vaccination pour les enfants de 12 à 17 ans. Alors, j'ai entendu des histoires qu'il y avait un manque de coopération de la part des autorités d'éducation, que ce soit le directeur d'école ou le sous-directeur, parce qu'il y avait des parents qui n'étaient pas d'accord avec le programme de vaccination. Qu'est-ce que vous allez mettre en place
pour s'assurer que l'on puisse mettre ces vaccins dans les programmes de vaccination scolaire pour les enfants de 5 à 11 ans, même s'il y a un manque d'enthousiasme de la part de l'administration ou au moins de certaines des familles qui pensent à autre chose. Je veux dire, on parle de familles qui ont des faibles revenus et qui n'ont peut-être pas l'option de se faire vacciner ou de faire vacciner leurs enfants comme les autres pourraient le faire à l'extérieur de l'école. Alors effectivement, c'est vrai qu'il y a certaines écoles qui ont refusé de participer au programme de vaccination dans les écoles pour les 12 à 17 ans. Nous continuons d'avoir des conversations avec toutes les écoles, toutes les divisions scolaires pour la vaccination, non seulement des 12 à 17 ans, mais aussi pour maintenant la vaccination des enfants de 5 à 11 ans, ce qui crée davantage de confort dans le groupe des 5 à 11 ans. C'est que toutes ces personnes vont avoir besoin donc d'un consentement parental. Donc, même si les parents ne sont pas présents au moment de la vaccination dans une école, il faudra que les parents fournissent un formulaire de consentement d'avance dans tous les cas. Donc, je crois que là, effectivement, ça aide à réconforter les parents et aussi les écoles afin de permettre la mise en œuvre de ce programme. Mais on va également avoir des cliniques de vaccination après les heures scolaires parce que les parents veulent être là avec leurs enfants, probablement pour ajouter un confort supplémentaire. Ils veulent pouvoir passer ce temps-là avec leurs enfants et les réconforter. Et ça permet à tout le monde d'être à l'aise avec la vaccination. Ça permet de répondre aux questions parce que les parents peuvent être là en même temps. Donc, on veut avoir cette option et on veut continuer à avoir ces conversations avec les écoles qui vont peut-être prendre plus de temps pour prendre une bonne décision. Mais ils savent qu'ils peuvent revenir nous voir parce qu'on ne ferme jamais la porte sur aucune école. Il y a des écoles qui ont besoin de plus de temps pour se préparer, pour parler aux familles, pour parler aux enfants dans leur école. Nous sommes certainement ravis à chaque fois de toujours revenir plus tard si c'est quelque chose qu'ils n'ont pas pu accepter d'emblée. De la presse canadienne, Steve. Bonjour, Dr. Reimer. Vous avez mentionné 15 000 rendez-vous qui ont été pris à 13 h aujourd'hui. Est-ce que ça vous encourage? On n'était pas sûr du tout à quoi s'attendre, mais j'étais vraiment très excitée d'entendre que dans les quelques premières heures ce matin, on avait déjà eu 8 000 rendez-vous. Et à 13 h cet après-midi, le dernier chiffre que j'avais, c'était 15 400 et quelques rendez-vous. C'est absolument merveilleux d'entendre ça. Ça veut dire que plus de 10% de cette population avait un rendez-vous pour sa vaccination dans les premières 6 heures. Et ça, c'est seulement les personnes qui comptent se rendre dans les cliniques de vaccination provinciales ou régionales. Il y a encore beaucoup d'enfants qui vont simplement aller voir leur médecin, leur pédiatre, leur pharmacie. Alors, on ne sait pas encore quels sont les chiffres à ce niveau-là. Plutôt que de passer par le système de réservation. Donc, je peux vous dire que nous sommes vraiment très encouragés de voir à quel point les parents sont prêts à faire vacciner leur enfant dès que possible. Et avoir tellement de personnes qui veulent prendre un rendez-vous en même temps, c'est un problème qu'on est bien content d'avoir. Peut-être que j'ai raté ça un petit peu plus tôt, mais quand est-ce que vous pensez faire démarrer les cliniques de vaccination scolaire? Alors, les autorités régionales de la santé sont en train d'établir des connexions dès maintenant avec les différentes divisions scolaires de la province et on sait qu'ils vont commencer avec certaines des cliniques dans les écoles dès la semaine prochaine, mais on n'a pas encore de dates qui sont finalisées aujourd'hui parce qu'il faut vraiment, il fallait qu'on attende de voir quand c'est que le vaccin allait arriver au Manitoba. Et on vient juste d'avoir la confirmation de ça. Donc, je n'ai pas de mise à jour pour vous dire quand va être la première clinique de vaccination dans une école, mais je peux vous dire qu'on va travailler là-dessus aussi rapidement que possible. De CTV Winnipeg, Michel. Bonjour, Dr. Reimer. On sait que les enfants plus âgés, jusqu'à 12 ans, eh bien, il y a une obligation s'ils veulent participer à certains sports. Donc, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez des discussions au sujet de ce qui va se passer avec le groupe d'âge plus jeune? Alors, il n'y a aucun plan immédiat pour essayer d'imposer une obligation de vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans. Nous voulons être très prudents
parce que généralement, ces enfants n'ont en fait pas l'option de choisir le vaccin même. C'est typiquement une décision qui est prise pour eux. Donc, on veut être très prudent. On ne veut pas utiliser d'ordre de santé publique pour obliger la vaccination dans ce groupe d'âge. Mais c'est aussi un groupe d'âge dans lequel il y a relativement peu de maladies graves. Donc, c'est pour ça qu'il nous faut être très prudent dans l'utilisation des ordres de santé publique. Ceci étant dit, bien entendu, tout va dépendre de ce qu'on va voir au niveau des données épidémiologiques. Si on commence à voir une augmentation du nombre de cas de maladies graves dans ce groupe d'âge, ou qu'il y a un risque grave pour le système de soins de santé, ou pour les autres personnes, ou pour les enfants eux-mêmes, bon, c'est certainement un outil à notre disposition, mais je ne pense pas qu'on va utiliser ça dans un avenir proche. Merci. Je me demande également combien de temps est-ce que ça va prendre pour arriver à 75% de vaccination dans ce groupe d'âge? Alors, nous avons vraiment toute une série d'options disponibles. Et dès qu'on aura le vaccin dans la province, on va dispenser énormément de vaccins chaque jour. Donc, ça va dépendre de la vitesse à laquelle les parents amènent leurs enfants à ces diverses options de vaccination. Nous avons déjà plus de 15 000 rendez-vous qui sont pris, et ça, c'est simplement par l'intermédiaire du système de réservation provinciale. Mais on sait également que nous avons 30 000 doses qui ont été réservées pour être envoyées dans les pharmacies, les cabinets de médecins. Donc ça va être un autre facteur qui va grandement contribuer à l'augmentation du taux de vaccination de la province. Donc c'est quelque chose qui pourrait se produire très rapidement dans les 2 prochaines semaines, si c'est ce que les parents veulent faire. Mais il va falloir attendre et voir prudemment. Il va falloir voir où c'est qu'on a les meilleurs taux de vaccination. Il faut s'assurer que les vaccins vont être distribués dans les endroits, les sites de vaccination qui sont les plus pratiques pour les parents. De CHVN, Taylor. Bonjour. Je sais que 15 000 rendez-vous, c'est énorme. Mais c'est quand même pas. Ça représente pas les 100 000 enfants qu'on a dans ce groupe d'âge. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire à ces parents qui n'ont pas encore pris le premier rendez-vous pour leurs enfants? Alors, je vous dirais franchement qu'on est très excités au sujet des 15 000 réservations. Je veux dire, c'est 15 000 rendez-vous en 7 heures, dans les 7 premières heures où c'était possible de prendre rendez-vous. Il y a encore beaucoup de parents qui n'ont même pas pu encore accéder au site ou au centre d'appel. Donc, franchement, c'est très encouragé de voir tous ces milliers de gens qui ont sauté sur les rendez-vous qui étaient mis à leur disposition d'emblée. Et à tous les autres, eh bien, je veux simplement vous dire, on vous attend avec impatience. On attend de vous offrir le vaccin dans le lieu qui sera le plus pratique pour vous. On vous encourage à utiliser le système en ligne si c'est plus pratique pour vous. Mais peut-être attendez un jour ou deux et on pourra vous dire dans quelle pharmacie vous pourrez avoir le vaccin ou dans quelle clinique. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui en fait attendent ces renseignements et franchement, c'est formidable. S'ils veulent que ce soit leur médecin de famille qui donne le vaccin à leur enfant, eh bien, on encourage tout à fait ça. Si vous devez attendre 1 ou 2 jours pour ça, eh bien, il n'y a aucun problème. Il faudra que les parents établissent la connexion avec la clinique ou la pharmacie et qu'ils prennent rendez-vous. Alors, parce qu'il y a tellement d'options cette fois-ci, les prédictions sont un petit peu plus difficiles au niveau provincial. Mais on sait que c'est tellement plus pratique pour les familles. Donc, je préfère nettement avoir une situation dans laquelle les familles ont toutes ces options pratiques à leur disposition que d'une situation où on peut prédire exactement combien de personnes vont pouvoir prendre rendez-vous tel ou tel jour. Merci. Et deuxième question qui vous concerne peut-être moins, mais est-ce que vous continuez à recommander que les écoles passent en apprentissage à distance s'il y a un foyer d'éclosion dans une classe? Alors, ça va dépendre vraiment de ce que l'on voit comme taux de vaccination dans ces groupes d'âge. Il va falloir voir c'est quoi le taux de positivité dans la communauté, quelle est l'incidence du taux d'infection dans la communauté, est-ce qu'il y a quel est le nombre de cas dans l'école, quel est le pourcentage de vaccination dans cette école. Il y a beaucoup de questions qu'il va falloir considérer avant de faire cette évaluation. Pour chaque école, au fil du temps, nous pourrons avoir une meilleure compréhension de la manière dont les choses se transmettent dans la communauté, selon le statut de vaccination des enfants qui se trouvent dans la communauté. Donc, on pourra travailler avec le ministère de l'Éducation pour vraiment personnaliser des recommandations qui sont adaptées à la situation.
Mais dans un avenir proche, ça va être une évaluation au cas par cas. Il va falloir évaluer les risques spécifiquement pour chaque école avant de décider si on va recommander quelque chose comme l'enseignement à distance, que ce soit pour une cohorte ou pour l'école dans son ensemble. Du Winnipeg Free Press, Daniel. Bonjour, Dr. Reimer. Pour les Manitobains ruraux, quand c'est qu'ils vont avoir des cliniques éphémères dans leur communauté? Ou alors, est-ce que vous vous appuyez sur les pharmacies et les cabinets de médecins? Ce qu'on essaie de faire, c'est de répondre à la demande qui n'est pas couverte par les pharmacies et les médecins. Donc, à Winnipeg, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de doses qui soient dispensées chez le médecin, dans les pharmacies, parce que c'est là que les gens vont pour leur vaccin en général. Donc, c'est quelque chose, on s'attend à ce que ça va continuer pour le vaccin contre la COVID-19, y compris dans ce groupe d'âge. Alors, dans certaines régions rurales, il y a très peu de pharmacies ou très peu de cabinets de médecins qui offrent en fait les vaccins. Et dans ces cas-là, il va y avoir très peu de ces cabinets et pharmacies qui vont offrir spécifiquement le vaccin contre la COVID-19. Donc, dans ce cas-là, on va avoir des cliniques de vaccination provinciales pour s'assurer que dans toute la province, les gens peuvent accéder au vaccin d'une manière pratique. Alors, certaines régions vont avoir un pourcentage plus élevé qui va être distribué par les autorités de santé publique que Winnipeg, mais dans toutes les régions de la province, il y aura des options diverses. Et les autorités de santé publique vont offrir des cliniques dès que le vaccin va arriver. Donc, on s'attend à ce que dans la province, d'ici la fin de cette semaine et au début de la semaine prochaine, on va avoir des cliniques de vaccination dans la plupart des communautés. Merci. Alors, juste pour clarifier, est-ce que ces rendez-vous vont être donc mis à la disposition des gens d'ici la fin de la semaine? Je ne sais pas si c'est une option maintenant. Et en ce qui concerne les cliniques autochtones urbaines, pourquoi il n'y a pas de rendez-vous là-dessus? Alors là aussi, il va y avoir des doses qui vont être disponibles et on va pouvoir prendre rendez-vous dès qu'on aura la dose. Alors chaque clinique a ses propres heures, sa situation unique, mais ces cliniques vont avoir des doses en même temps que les autres super cliniques de vaccination. Donc dans chaque région, il va y avoir des cliniques qui vont fonctionner avec des contextes particuliers. Je n'ai malheureusement pas la capacité de partager avec vous les dates et les heures pour chaque clinique, quelle que soit la clinique d'ailleurs. Mais chaque autorité régionale de la santé est en train de travailler à l'heure actuelle pour mettre sur pied des cliniques éphémères, des cliniques autochtones urbaines, des cliniques de vaccination communautaire. Et on va vous donner tous ces renseignements dès qu'on les aura dans les prochains jours. Merci, docteur. Nous avons un petit peu de temps pour quelques questions brèves. Alors, allez-y. Est-ce qu'il y aura des problèmes si quelqu'un décidait d'attendre un peu plus que les 8 semaines, donc les gens veulent attendre 9 ou 10 semaines, est-ce que ça réduit l'efficacité? Alors, 8 semaines, c'est un délai qui est assez idéal pour les adolescents et les enfants pour obtenir la meilleure réponse immunitaire. Mais franchement, attendre 9 ou 10 semaines, ça ne va absolument pas réduire l'efficacité de la deuxième dose. Donc, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème, pas de bénéfice supplémentaire à attendre non plus. Mais si vous devez attendre à cause d'une question d'horaire ou quoi, eh bien, ça ne va certainement pas compromettre la réponse immunitaire de la deuxième dose. Et ça ne va pas non plus réduire la durée de l'immunité. La seule raison pour laquelle vous pourriez choisir de ne pas attendre les 8 semaines, c'est parce que vous voulez avoir ce rappel de la réponse immunitaire et cette intensification plus rapidement. On veut s'assurer que le corps a eu le temps de récupérer de la première dose afin de pouvoir développer la réponse immunitaire à la deuxième dose. Si l'enfant est exposé au virus à 9 semaines ou 10 semaines et qu'il n'a pas encore eu la deuxième dose, bien malheureusement, sa protection sera probablement moindre. Mais on n'aura aucun problème à avoir une excellente réponse immunitaire à 9 ou 10 semaines. Question inaudible. Alors, pourriez-vous commenter sur le nombre de décès que nous avons obtenus, qui a baissé
de beaucoup au fil de l'année. Alors Bart, je suis désolée, mais je n'ai pas bien compris votre question. Pourriez-vous la répéter? Alors, le pourcentage de décès par 100 000 cas d'infection a baissé de presque moitié par rapport à il y a un an. Alors, est-ce que vous avez des commentaires sur la réduction du nombre de décès? Alors, une des choses qui a été très rassurante au niveau du vaccin, c'est que même si le vaccin ne protège pas contre toutes les infections, clairement, ça protège contre les maladies graves. Donc, ce que l'on a vu, même au Manitoba, et ça a été observé dans le monde entier, on a vu que le taux d'infection baisse de manière très importante dans la population vaccinée, mais c'est encore plus marqué la baisse du nombre de décès chez les gens vaccinés. Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle on recommande ce vaccin pour tout le monde au Manitoba. Parce qu'on veut protéger tout le monde au Manitoba. Pas seulement contre l'infection, mais contre l'hospitalisation, le séjour à l'hôpital, aux soins intensifs. Et surtout, nous voulons protéger les gens contre la mort de ce virus. Et c'est ce qu'on continue à voir. Alors, dans certaines populations plus âgées, cette diminution est moindre, mais elle est quand même formidable. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'avoir cette troisième dose, parce que ça nous permet de faire baisser le taux de décès. Donc, même si les gens se font infecter, eh bien, la probabilité qu'ils deviennent très malades est très faible. Donc, c'est simplement un exemple des signes qui nous encouragent par rapport à ce vaccin. Je veux dire, les différences sont énormes. Lorsqu'on voit ce qui se passe dans les hôpitaux, dans les soins intensifs, dans les communautés, c'est tellement remarquable d'avoir cet outil à notre disposition. C'est un outil qui est tellement sécuritaire et qui a eu tellement peu d'effets secondaires dans le monde entier. On est vraiment très reconnaissant d'avoir cet outil ici au Manitoba. Alors, la raison pour laquelle les Manitobains nous entendent constamment, les encourager à se faire vacciner, c'est vraiment à cause du niveau de protection que ça fournit et on veut que tous les Manitobains profitent de cette protection. Alors, Dr. Rammer, je sais que l'immunité de groupe, ce n'est pas votre terme préféré, mais je crois que même ceux qui n'ont pas d'enfants continuent à espérer qu'on va avoir un plus grand nombre de personnes vaccinées afin justement d'avoir plus de Manitobains généralement être vaccinés. Est-ce que vous pensez qu'on se rapproche de l'immunité de groupe si on a 75% des enfants de 5 à 11 ans qui sont vaccinés? Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Alors, je crois qu'un des meilleurs exemples où on voit des répercussions de l'immunité de groupe, c'est pas une immunité de groupe à 100%, mais c'est lorsque l'on compare les écoles élémentaires aux écoles secondaires. Et lorsqu'on voit donc les infections, la transmission dans ces deux types d'écoles, lorsqu'on examine les foyers épidémiques dans les écoles et les taux, on a vu une baisse énorme du taux d'infection dans les écoles secondaires. Il y a beaucoup moins de cas d'infection, beaucoup moins de foyers épidémiques, beaucoup moins de transmission, même dans les activités parascolaires. Alors oui, chez les jeunes, les enfants plus jeunes, il y a eu une diminution. C'est pas aussi grave, mais je peux vous dire vraiment que la différence entre les deux groupes d'âge est dramatique. Dans les écoles primaires, on a vu une petite baisse, mais c'est encore rien comparé à ce qu'on voit dans les écoles secondaires. Donc, on voit que les enfants jeunes bénéficient du fait que leurs parents sont vaccinés, leurs enseignants sont vaccinés, leurs frères et sœurs plus âgés sont vaccinés. Donc, bien entendu, une fois que ce groupe sera vacciné, ça va faire baisser tous les taux d'infection, etc., dans tous les groupes d'âge. Alors, je ne sais pas vraiment si on n'arrivera jamais à un exemple typique de ce que c'est que l'immunité de groupe. Il nous faudrait probablement arriver à un taux de vaccination générale de 90% pour être vraiment dans ce cas-là. Mais ce que je sais, c'est que plus on augmente la couverture de vaccination dans tous les groupes d'âge, le moins de transmission on va avoir, et que vous soyez vacciné ou non, le plus vous serez en sécurité. Donc, ajouter ces 125 000 enfants à la liste des personnes admissibles à la vaccination, ça va protéger tout le monde. Donc, j'espère vraiment que nous allons avoir des taux de vaccination très élevés, comme dans les autres groupes d'âge, non seulement pour protéger les enfants, mais aussi pour protéger tout le monde. Et il nous reste un petit peu de temps pour peut-être deux questions.
Bon, alors pas de questions. Donc merci beaucoup, Dr. Rammer. Cela met fin à notre conférence de presse.